Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je vais vous parler du signe du zodiaque et l'archange qui lui correspond. Eh bien, ça sera aujourd'hui le signe du lion. Chaque signe du zodiaque appartient à un archange. Petit rappel avant de commencer, le pouvoir des archanges. Les archanges sont des anges supérieurs placés au-dessus des anges dans la hiérarchie divine. Ils possèdent de grands pouvoirs et sont en contact avec la force divine. On peut les invoquer pour se faire guider, pour obtenir des réponses ou encore, n'est-ce pas, pour se protéger contre les influences négatives. En fonction de vos besoins, eh bien, vous devrez vous adresser à un archange en particulier. Les archanges apparaissent peu dans la Bible, mais ils sont mentionnés dans d'autres textes chrétiens de référence. On trouve également leur nom dans les textes juifs et musulmans. Ils sont souvent représentés avec une grande toge blanche et une auréole, symbole, n'est-ce pas, de leur caractère divin. Leur nombre, eh bien, il varie en fonction de l'univers religieux dans lequel ils apparaissent. Nombreux, eh bien, sont les textes religieux et les doctrines philosophiques anciennes qui estiment que nos dates et lieux de naissance ne sont pas un hasard, mais le fruit d'un plan depuis longtemps préparé. La date à laquelle nous naissons n'est donc pas une coïncidence. Choisir de naître, eh bien, c'est aussi choisir le signe auquel on appartiendra, n'est-ce pas? Il n'y a pas de fatalité, bien évidemment, mais celui-ci participera à définir ce que nous deviendrons et quelles leçons de vie il nous faudra retenir. S'il y a 12 signes astrologiques, ce n'est pas non plus un hasard. Chacun d'eux représente l'une des étapes du cycle solaire. Chaque signe astrologique est également lié à une constellation et les anges du zodiaque veillent sur tous ceux qui sont nés sous celle-ci. Selon certaines croyances, n'est-ce pas, les anges du zodiaque peuvent aussi nous aider à comprendre les enjeux du signe sous lequel nous sommes nés, quel chemin emprunter et quel but poursuivre. Les archanges et le signe auquel ils appartiennent, eh bien le lion, c'est l'archange Raziel, le secret de Dieu. Donc, l'archange Raziel est associé au signe du lion. Il a un rôle révélateur, celui de vous ouvrir la voie vers les mystères divins et la connaissance de votre propre âme. Il est un puits de savoir et une aide précieuse lorsque l'on doute de ses objectifs de vie ou du chemin à emprunter. Vous pourrez éventuellement sentir sa présence dans ces petits événements quotidiens qu'il semble banal et qui, en fait, vous montrent le chemin à suivre. Si vous faites fréquemment le même rêve, avec des sensations de déjà-vu ou des pensées qui vous assaillent, eh bien, il pourra vous aider à en déchiffrer la signification profonde. Ce bel archange Raziel connaît tous les secrets de l'univers et son fonctionnement. Il nous aide à acquérir une compréhension spirituelle plus profonde et à l'appliquer de façon pratique. Il vous fait voyager dans vos rêves pour y découvrir la vérité et la sagesse ancienne, afin qu'elle demeure en vous, à votre réveil, et vous aide à augmenter votre capacité à voir, à entendre et sentir la direction divine.
Ce bel archange Raziel est le patron de la sagesse secrète, la connaissance divine et le gardien de la pensée pure. La fonction de cet archange Raziel est de nous aider à guérir des blocages spirituels que nous pouvons parfois rencontrer, n'est-ce pas? Il peut aussi nous aider à interpréter nos rêves, surtout si l'un d'eux est précis et récurrent. Enfin, il renforce l'intuition, les pouvoirs et dons de voyance et peut même nous aider à nous souvenir de nos vies antérieures. Si nous répétons souvent les mêmes erreurs, que nous sommes bloqués dans un schéma répétitif et source de souffrance, il peut être intéressant d'invoquer ce bel archange Raziel pour qu'il nous aide, eh bien, à faire la lumière sur nos blocages psychiques. Une crise de spiritualité peut aussi nécessiter le recours de Raziel. Et enfin, les médiums et voyants qui doutent de leurs dons ou veulent l'explorer plus en profondeur, eh bien, peuvent aussi l'interpeller. La pierre qui lui est associée est le cristal de roche. Qui ne connaît pas le cristal de roche, cette magnifique pierre? Alors, comment faire appel à l'archange Raziel? Eh bien, commencez par définir votre souhait le plus profond et les raisons pour lesquelles vous désirez faire appel à l'archange Raziel. Installez-vous dans un endroit isolé et allumez une bougie. Faites-le vide dans votre esprit, tout autour de vous, et essayez de sentir la présence de l'archange Raziel. Et sa lumière vous immergera. Récitez une prière de votre choix ou inspirez-vous de la prière ci-dessous. Vous pouvez ensuite compléter cet appel par une demande bien spécifique, n'est-ce pas? N'oubliez pas que le principe fondamental ici est de donner pour recevoir. Si ce bel archange Raziel vous donne, vous devrez refléter sa bonté sur les autres en leur apportant du bonheur. Plus vous apportez des bienfaits à votre entourage, et plus vous connaîtrez chance et bonne fortune. Soyez donc heureux et altruiste, et l'archange Raziel saura vous récompenser en plaçant de bonnes choses sur votre chemin. Prière à ce bel archange Raziel. Je viens à toi pour te demander ton aide. Aide-moi, je t'en prie, à me libérer de mes blocages qui empêchent mon évolution spirituelle. Guide-moi dans mes décisions en me donnant la clarté d'esprit de suivre mes ressentis et à me détacher de tout ce qui n'est juste et bon pour moi. Aide-moi à rester humble et à aider mon prochain sans rien attendre en retour. Donne-moi, je t'en prie, le bonheur de vivre une vie épanouie et heureuse en amour. Je te prie de m'accorder le don de discernement et d'en faire bon usage à chaque instant de ma vie. Je te demande d'être à mes côtés durant toutes
les épreuves de ma vie en me donnant la force et le courage de surmonter mes difficultés. Libère-moi de mes peurs et de mes doutes face à mes perceptions et à mes intuitions. Guide-moi toujours dans l'amour divin afin de laisser place à mes ressentis et de les utiliser pour le bien d'autrui, dans un but évidemment désintéressé et dépourvu de fierté. Aide-moi, je t'en prie, à me débarrasser de mes blocages qui empêchent toute avancée spirituelle. Aide-moi aussi, je t'en prie, à rester humble face aux résultats positifs que mes dons pourront obtenir. C'est grâce que le ciel a bien voulu m'accorder. Je t'en remercie avec toute ma gratitude. Faites une prière pour le remercier, ce bel archange Raziel. Merci de votre écoute. On se retrouve pour une prochaine capsule et d'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. À tout bientôt.